des pains. Alors, hello tout le monde. Aujourd'hui, je vous emmène avec nous à Paro World. C'est marrant ça, c'est quoi ce truc-là? C'est marqué? Il y a un panneau et ça? Les quatibres. Regarde mon loulou. Quati, ça veut dire nez long. Les acrobates qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Elle est partie où, lui? Les parents, c'est le couple reproducteur, le couple hiérarchique, c'est les seules habilités à pouvoir se reproduire. Et ensuite, la descendance de ses parents, en fait, qui constitue le groupe, c'est la descendance des parents sur deux ou trois générations, tout simplement. Alors la femelle. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas.
un garçon, ça va. Alors, ici c'est un lodge que vous pouvez réserver. Donc c'est assez chouette. Apparemment, vue sur les jaguars. Des menaces, de pourquoi le parc. Je vais vous parler un petit peu quand même des perroquets. Ici, peut-être que vous attendiez un spectacle, mais nous ne portons pas nos oiseaux. Il est en train de me manger mes doigts, quoi. Bon alors, ah, là ça serait dangereux avec le petit. C'est fini, vous en avez pensé quoi? Oui, c'est bien, il est en devenir. Eh bien c'était très très intéressant, très beau. On voit que, bah, que cet homme a la passion des perroquets et d'autres oiseaux et que bah, il faut que ça continue, qu'on l'aide. Venez nombreux pour payer les entrées pour aider cette belle association. Moi aussi j'ai vachement bien aimé. Raphaël a été hyper réactif en fait. J'avais peur qu'il regarde pas trop, qu'il comprenne pas trop. Et en fait non, il a bien aimé, il nous a fait comprendre avec des petits cris et des petits gestes qu'il voyait bien les perroquets, les loutres et tout ça. Donc c'est cool. Bonne journée, enfin bon après-midi surtout.